Merci Arnaud. Merci à chacun. C'est vrai que ça fait plaisir d'être de nouveau là. C'est un lieu pour nous qui est plein de souvenirs et d'émotions. On était 9 ans ici à Mantes. On est parti en 2011, étant arrivé en 2002. Donc voilà, pour donner un peu une perspective. Le temps passe, hein, mais le Seigneur reste le même. Donc c'est avec grand plaisir que nous on partage ce culte avec vous et que je vais pouvoir partager quelques réflexions sur non seulement le passage que nous allons lire, mais aussi le thème d'aujourd'hui qui est bien sûr le dimanche des rameaux. Donc pour démarrer, je vous invite à suivre avec moi une lecture dans l'épître aux Hébreux. Vous êtes dans une série sur Hébreux 11, sur le thème des témoins de la foi. Et aujourd'hui, nous mettons en valeur la personne de Moïse. Et je pense que pour simplifier les choses, je vais juste lire le texte. Arnaud, si tu me le permets. Je suis bien soumis hein, au pasteur. Et nous lisons donc à partir du verset 23. Hébreux 11. Les parents de Moïse ont cru en Dieu. Alors, quand leur fils est né, ils l'ont caché pendant 3 mois. Ils ont vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi. Moïse a cru en Dieu. Alors, quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui « Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte ». Il a plutôt choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin, vers la récompense à venir. Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide, comme s'il voyait le Dieu invisible. Moïse a cru en Dieu, alors il a fait célébrer la Pâque. Il a fait répandre du sang sur les portes des maisons. Ainsi, l'ange de la mort n'a pas touché au fils aîné des Israélites. Les Israélites ont cru en Dieu, alors ils ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche. Mais quand les Égyptiens ont essayé de passer, l'eau les a noyés. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous communique la vie, qui nous ouvre un chemin. Et aujourd'hui, dans ta présence, nous te demandons de nous parler, de présenter devant nous une image non seulement de ta grandeur, mais aussi de ton humilité, de ta douceur, de ton amour pour nous aujourd'hui. Nous sommes à ton écoute. Merci. Amen. Alors c'est vraiment un jour de fête. C'est un jour de fête pour nous personnellement parce qu'on se réjouit d'être avec vous. C'est un jour de fête pour nous en tant que paroisse puisqu'on va manger ensemble après. C'est aussi un jour où on se souvient de pas mal d'anniversaires, dont cet anniversaire des 80 ans de Claude. Et voilà Claude. Mais c'est aussi un moment de fête dans la tradition de l'Église parce qu'on fête le dimanche des rameaux. Et rappelons-nous que les rameaux, c'est pour les chrétiens un retour aux sources. C'était le jour où les gens ont acclamé Jésus, roi, quand il est arrivé à Jérusalem. C'était un jour d'attente, c'était un jour de joie. Vous vous souvenez, ils ont pris des palmiers, ils ont célébré l'arrivée de Jésus-Christ. Lui qui venait comme un roi à Jérusalem. Et puis, c'est surtout un moment pour les Juifs, à l'époque de Jésus, où on se préparait pour faire la fête la plus grande des fêtes, celle de la Pâque.
Et encore aujourd'hui, les Juifs, la vie des Juifs est rythmée par la plus grande des fêtes, celle de la Pâque, qui démarre là, dans quelques jours, et qui traditionnellement a lieu en même temps que la Pâque chrétienne. Cette fête juive était une fête qui transformait complètement la ville sainte de Jérusalem. Alors qu'à l'époque, habituellement, il y avait 25 000 habitants, pendant la fête de la Pâque, ça grandit jusqu'à 150 000 habitants, vous imaginez. Et il n'y avait pas assez d'hôtels pour eux. Et donc beaucoup dormaient comme ça, à la belle étoile, sous des tentes, sur les collines en dehors de Jérusalem. Et c'était le moment d'un retour aux sources pour eux aussi, un moment de souvenir. Pas de leur souvenir personnel et individuel, mais d'un souvenir collectif. Parce que la fête de la Pâque, c'était le moment pour le peuple juif de se souvenir de cette action extraordinaire de la part de leur Dieu. Il y a 1300 ans avant, Dieu les avait sauvés de l'esclavage. Vous vous souvenez du récit, le peuple de Dieu est là, en Égypte. Et ils peinent sous le fardeau posé sur leurs épaules de la part des Égyptiens. Et ayant été libres, ils se trouvent maintenant esclaves d'un système. Et le Pharaon qui les pousse et qui leur demande de plus en plus, avec de moins en moins de moyens, ils sont épuisés et ils crient leur désespoir vers Dieu. Et Dieu fait élever un responsable, un prophète, ce prophète qui s'appelle Moïse. Et Moïse qui va guider le peuple et va leur permettre d'être ceux qui reçoivent la libération, ceux qui deviennent libres devant leur Dieu, libres pour adorer, libres pour sortir. Le nom qu'on donne à cette sortie vers la liberté, c'est l'Exode, le nom d'un des livres de la Bible, mais aussi le nom surtout d'un moment, clé pour le peuple juif, un moment dont ils se souviennent chaque année au moment de la Pâque. C'est la fête de la liberté, c'est la fête de la libération, c'est aussi la fête de la foi, parce qu'ils se souviennent de celui qui a été utilisé par Dieu comme libérateur à l'époque, le grand prophète Moïse. Donc il se trouve qu'il y a un lien direct entre notre passage dans Hébreux 11 qui célèbre la foi de Moïse, qui met en valeur Moïse, ce grand témoin, et le jour des rameaux, où le peuple se souvient, oui, il y a longtemps, bien avant nous, Dieu était à l'œuvre. Bien avant notre vie sur terre, Dieu était déjà là. D'ailleurs, pour nous chrétiens, c'est un moment éclairant pour chacun quand on prend le temps de se souvenir qu'avant nous, Dieu était. Avant notre arrivée dans ce temple aujourd'hui, Dieu était déjà là. Avant ma naissance, Dieu était là. Avant que je sois pasteur ici à Mantes, Dieu était là. Il y a un avant et un après, n'est-ce pas? Parce que notre vie n'est pas définie par nous-mêmes, mais par le Seigneur. Et le peuple de Dieu, à l'époque de Jésus, savait très bien qu'eux étaient définis aussi par l'action de Dieu autour d'eux. Et le grand témoin de cette action, c'était Moïse. Le grand Moïse, qui pourtant avait commencé petit. Les débuts du récit de Moïse, vous vous en souvenez? Eh bien, l'Épître aux Hébreux célèbre ce moment. Parce qu'en parlant de la foi de Moïse, notre passage en réalité démarre avec la foi des parents de Moïse. Le passage que nous avons lu a commencé avec ce verset « Les parents de Moïse ont cru en Dieu ». Même avant Moïse, il y avait des choses. Et vous savez ce que veut dire le prénom Moïse? Sauvé des eaux.
Moïse, dès ses premiers moments, est le témoin d'un salut reçu, d'un Dieu qui agissait déjà. Moïse n'est pas grand parce qu'il a fait de grandes choses. Moïse est grand dans la mémoire des Juifs parce qu'il a pu recevoir un grand salut. Mais Moïse, bien sûr, témoigne aussi dans la perspective des Juifs et du peuple de Dieu ce jour des rameaux. Il témoigne aussi de la délivrance de Dieu envers son peuple tout entier, ce peuple esclave. Mais Moïse, juste réfléchissons un tout petit peu à sa personne. Moïse, il aurait pu bénéficier de beaucoup de privilèges. Il était quand même élevé, rappelons-nous, dans la cour du Pharaon. Il avait des privilèges, il avait des possibilités. Et pourtant, le texte ici nous dit que Moïse, sa foi devient comme un témoignage pour nous parce qu'il a choisi de renoncer à ses privilèges pour s'identifier à la souffrance de son peuple. Comme chacun d'entre nous, d'ailleurs, par la foi, est appelé à camper sur ses positions et ses idées reçues et ses privilèges et son éducation et ses traditions, mais s'identifier avec les plus faibles. Et Moïse, il a découvert qu'en s'identifiant plutôt au peuple de Dieu souffrant qu'au peuple égyptien puissant, il s'est rangé du côté d'un Dieu libérateur. Et Moïse devient le témoin d'une action de Dieu. Mais Moïse, il est exemple aussi de foi parce que ce Moïse qui s'identifie avec son peuple au lieu de camper sur ses privilèges et ses positions, il devient tenace. Il se trouve devant le Pharaon qui rejette, vous vous en souvenez? Et plusieurs fois, à maintes reprises, il doit se présenter devant le Pharaon pour demander la liberté du peuple. Et à répétition, ce Pharaon refuse. Et pourtant, Moïse n'est pas intimidé, il continue. Il est tenace parce qu'il fait confiance à un Dieu qui agit malgré les contraintes, malgré l'impossibilité humaine d'une situation. Et là aussi, c'est un élément essentiel de notre foi, n'est-ce pas? De croire que Dieu peut faire l'impossible, que même devant des situations qui humainement sont désespérantes, le Seigneur, il peut agir. Et on est tenace en saisissant et en tenant cette conviction que Dieu peut renverser les pires des situations. Quand on voit autour de nous, aux informations, des choses qui se passent quand le jour des élections présidentielles, on se demande ce qui va arriver, quand on se trouve devant l'inconnu, il est essentiel que nous soyons un peuple de foi, mais qui mettons notre confiance en un Dieu de l'impossible, qui peut renverser les tendances. Et c'est exactement ce que Moïse a vu, n'est-ce pas? Parce que le moment venu, il a vu les portes s'ouvrir et le peuple a pu sortir, connaître sa liberté. Et puis enfin, Moïse, dans ce passage que nous avons lu, il est une figure de foi, il est un témoin pour nous parce qu'il a cru qu'aujourd'hui n'est pas la fin, qu'il y a un demain, il y a toujours un lendemain. Autrement dit, pour Moïse, la promesse, ce n'était pas simplement de faire sortir le peuple de l'Égypte, c'était d'atteindre la terre promise. Il y avait un objectif, il y avait une promesse. Et donc, le jour des rameaux, tout cela est réuni dans l'esprit du peuple. Ils sont là, ils se souviennent de Moïse comme figure, comme témoin de l'action de Dieu, d'un Dieu qui les devance, d'un Dieu qui est là, qui s'identifie avec son peuple, d'un Dieu qui ne lâche pas son peuple, et d'un Dieu qui promet toujours un avenir. Et ce peuple juif, le jour des rameaux, ils sont là en attente. Ils vont, là encore une fois, célébrer la Pâque. Et la Pâque, pour les Juifs, est un moment significatif, non seulement parce qu'ils se souviennent, mais aussi parce qu'ils anticipent. Alors à l'époque de Jésus, cette anticipation, cette attente
était hautement politique. On s'attendait à un nouveau libérateur, à l'image de Moïse. Un autre qui allait sortir le peuple, cette fois-ci pas de l'Égypte, mais de la main des Romains, de l'emprise. On attendait quelqu'un qui allait venir donner une direction au peuple. Et donc le moment de la Pâque, c'était pour les Juifs un moment de promesse, un moment d'attente. Maintenant, on comprend pourquoi quand Jésus arrive, tout le monde commence à s'agiter. Les gens, ils commencent à se réjouir. Ils prennent des branches, des palmiers, et ils se disent, aujourd'hui, on voit le nouveau Moïse, le nouveau libérateur qui va venir nous aider, nous rappeler que le salut, c'est pour aujourd'hui nous affranchir de la puissance romaine. C'est un jour de fête. Seulement, voilà. Jésus reçoit les acclamations des foules, mais il n'est pas un libérateur comme les autres. Ce Jésus qui vient, il vient dans l'humilité. Il vient dans le calme. Il vient non seulement comme un roi, mais aussi comme un serviteur. Et la foule qui l'acclame le jour des rameaux, comme le nouveau Moïse qui va donner un avenir au peuple, va le rejeter même pas une semaine plus tard. Quand la même foule qui crie aujourd'hui « Hosanna » va crier « Crucifiez-le, crucifie-le » à Ponce Pilate. Ponce Pilate qui pose peut-être la plus grande des questions. Ce Jésus, cet homme, qui est-il ? Est-ce que c'est ça, le roi attendu ? Alors évidemment, pour nous chrétiens, le jour des rameaux, donc on se souvient, de Moïse et de la Pâque, de l'Exode, on se souvient de Jésus, le nouveau, celui qui vient libérer. Mais on se rend compte que Jésus le fait autrement et bien plus profondément. Nous avons nous aussi besoin d'être libérés de tout un tas de choses, n'est-ce pas ? Libérés parfois du poids du passé, libérés parfois de l'emprise de nos pères, libérés aussi de la peur de l'avenir. Et Jésus vient nous témoigner d'une libération autre, mais qui ne se fait pas dans la gloire, dans la puissance d'un roi qui arrive, mais dans la douceur d'un serviteur qui se donne. Et donc aujourd'hui, si on est dans la joie parce qu'on est ensemble, si on va fêter après avec un repas de paroisse, si on se souvient de tout ce que le Seigneur a fait et ça nous fait réjouir le cœur, on se souvient aussi qu'on est au début de la semaine sainte. Et cette semaine sainte trace un chemin pour Jésus, qui est aussi un chemin pour nous. Parce que nous, comme Jésus, nous sommes appelés à une foi active, mais une foi humble. Pas une foi qui triomphe, qui connaît toutes les réponses, mais une foi qui se met à la hauteur des autres. Nous aussi, nous sommes appelés à comprendre que Dieu va avant et après. Nous ne sommes pas la réponse, mais nous faisons partie d'une histoire. Nous aussi, nous sommes invités, comme le Christ, à nous identifier avec les autres. Et n'est-ce pas là le travail de Jésus ? Quand il se rend humble, cet homme, ce roi, quand il se met à côté des plus pauvres, il fait comme Moïse, mais encore plus. Nous sommes appelés à sa suite. Nous sommes appelés aujourd'hui à tenir sur le roc, tenir ferme comme Jésus devant le mal qui nous entoure.
Et nous sommes comme des disciples du Christ, appelés au début de cette semaine sainte, de regarder la croix et puis la résurrection. Et de nous souvenir qu'aujourd'hui, comme dans toute situation de notre vie, il y a des promesses posées comme des signes. Il y a toujours un lendemain. Le Seigneur veut toujours renverser les choses. Il veut agir en nous et à travers nous. Alors, je le crois profondément. Pour moi, je crois profondément que Dieu agit en nous. Je crois qu'il agit dans son monde. Et je crois aujourd'hui qu'il m'appelle, moi, à me ranger à côté de lui. Moi aussi, de chanter Hosanna, mais pas de le faire trop facilement. De le faire les yeux regardés vers la croix. Pour qu'en moi aussi soit inscrit ce chemin. Pour que moi aussi je sois lumière, je sois un témoin, un peu comme Moïse, mais encore plus comme Jésus. J'aimerais moi aussi être une invitation. Alors nous avons aujourd'hui entendu parler des Ukrainiens, nous avons entendu des sujets de reconnaissance, mais je pense que nous avons chacun des situations dans notre cœur, des choses que nous ne comprenons pas, des attentes, des espoirs. Pourquoi pas prendre un moment maintenant pour les présenter devant le Seigneur et pour l'inviter, lui, au début de cette semaine, à être notre guide, lui, le roi serviteur, qui se donne pour nous, qui ouvre devant nous un avenir et une promesse, un autre chemin, et qui veut faire de nous aussi des témoins, mais pas dans la puissance. Dans la douceur et l'amour. J'aimerais nous proposer de terminer en écoutant un chant très simple qui nous rappelle que aujourd'hui nous adorons, nous nous humilions devant le roi des rois, Jésus-Christ. Mais ça, c'est un autre roi. Ce n'est pas celui de la hauteur, mais celui qui, pour nous, s'est humilié. A donné sa vie, et puis après 3 jours, est ressuscité pour nous promettre un avenir. Utilisons ce chant, et je nous invite à rester juste assis, c'est comme une prière, pour porter nos louanges et notre désir devant le Seigneur de nous engager à le suivre dans les jours qui viennent.